Salut! Tu économises déjà chaque année des centaines d'euros avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces en achetant via l'app Mister Auto. Les frais de port sont offerts sur les pièces nécessaires à cette opération. Tu peux retrouver les billets et rotules de direction Bolk utilisés dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main. Afin de réaliser le changement des billets et rotules de direction sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de direction. Desserre les goujons des roues avant, soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Tu pourras maintenant visualiser la rotule de direction. Ces éléments étant très souvent grippés, n'hésite pas à utiliser du dégrippant pour faciliter l'opération. À l'aide d'un feutre à peinture, trace un repère entre la biellette et la rotule de direction. Il te servira plus tard lors du démontage-remontage de cette dernière. À l'aide d'une clé à molette, commence par desserrer de quelques filets l'écrou de la rotule de direction côté biellette. Il est là pour éviter toute rotation des deux pièces l'une envers l'autre qui pourrait avoir un impact sur le réglage de la géométrie de ton véhicule. À l'aide d'une clé de 16 et d'une douille Torx 25, débloque l'écrou de maintien de la rotule de direction. Si tu ne disposes pas d'arrache-rotule, l'outil spécifique pour désolidariser la rotule du pivot, munis-toi d'un marteau. La rotule devrait se dégager du pivot. Tape sur le pivot de la rotule uniquement si tu changes la rotule. Sinon, tu risques d'abîmer le filetage. Tout en faisant attention aux repères, dévisse la rotule en comptant le nombre de tours nécessaires à l'extraction de la rotule. À l'aide d'un pied à coulisse, mesure la distance entre le contre-écrou et l'extrémité de la biellette. Cela te servira au remontage pour approcher au maximum le réglage initial de géométrie. Retire le contre-écrou de la biellette. Avec une pince, retire le collier métallique extérieur du soufflet de protection de la biellette. Avec un cutter, découpe la partie extérieure du soufflet afin de pouvoir le retirer. Puis à l'aide d'un tournevis ou d'une pince, coupe le collier intérieur. Retire le soufflet. Salut, si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et mets un commentaire. À l'aide d'un démonte-biellette ou extracteur de biellette, outil spécifique pour effectuer ce travail, tu vas pouvoir débloquer l'ensemble sans encombre. Pour cela, insère l'outil jusque sur la partie fixe de la biellette. Puis à l'aide d'un cliquet et d'une grande rallonge, force dans le sens antihoraire. Si la biellette est pourvue d'empreintes, débloque-la à l'aide d'une clé à molette. Munis-toi de la nouvelle biellette. Tu peux retrouver les pièces et produits Bolk utilisés dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Remets-la en place sur la crémaillère de direction. Toujours avec le même outil ou d'une clé à molette, bloque la biellette, mais dans le sens horaire cette fois. Puis retire l'outil. Munis-toi maintenant du nouveau soufflet. Graisse son extrémité, cela facilitera la remise du soufflet. Remets en place le collier intérieur. On te conseille de mettre en place un collier de serrage à vis car l'accès est vraiment difficile pour faire passer un outil spécifique. Pour faciliter la mise en place du soufflet dans son emplacement, tu peux tourner les roues de façon à ce que la biellette accompagne le soufflet et l'enfile sur son emplacement.
insère le collier en prenant garde de ne pas trop forcer pour ne pas abîmer le soufflet. Puis remets en place le collier extérieur. Revisse le contre-écrou jusqu'à la distance mesurée au pied à coulisse. Munis-toi de la nouvelle rotule et dévisse l'écrou fourni avec. Remets en place la rotule en effectuant le même nombre de tours que compté lors du démontage. Lors de cette opération, tu interviendras sur le système de direction de ta voiture. Un contrôle de géométrie effectué par un professionnel te garantira à nouveau un parfait réglage et fonctionnement de ton système de direction. Remets en place la rotule dans le pivot. Remonte l'écrou fourni avec la pièce neuve. Et tout en exerçant une pression sur la rotule, serre-le à l'aide d'un cliquet. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Revisse l'écrou de la rotule de direction côté biellette. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule. Repose la voiture au sol. Et bloque les roues correctement. Opération terminée. Soutiens-nous s'il te plaît. Like la vidéo et abonne-toi, ça serait vraiment cool.